Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Je suis Colline et aujourd'hui, nous allons personnaliser un mug avec la Mug Press. Pour personnaliser votre mug, vous aurez besoin d'une machine de découpe Cricut. Ici, nous avons choisi la Cricut Joy avec son rouleau Infusible Ink spécialement conçu pour ses dimensions. Le tapis de découpe vert Cricut Joy en 11x30 et l'échenilleur qui permettra d'échenier le motif une fois découpé. Une fois le motif découpé, il vous faudra donc un meuble traité pour l'Infusible Ink. Pensez bien à regarder sur le packaging le contenant, ici 340 ml, cela vous aidera à définir les dimensions de votre motif sur Design Space. Le rouleau de scotch résistant à la chaleur pour bien fixer votre motif sur le mug avant de transférer avec la Cricut Mug Press. La Cricut Mug Press qui vous permettra donc de transférer votre motif Infusible Ink sur votre mug. Et enfin, le tapis sur lequel vous poserez le mug une fois le transfert effectué, le temps qu'il refroidisse pour ne pas brûler votre table. Depuis votre logiciel Design Space, nous allons donc procéder à la création du motif pour notre mug. Nous allons donc aller dans Nouveau projet. Et nous allons chercher Mug personnalisé. Vous trouvez ainsi différents types de projets. Des projets déjà tout faits, que vous pouvez directement lancer en découpe avec votre machine de découpe. Là, nous avons sélectionné pour ce projet la Joy. Ou bien, vous pouvez vous servir des gabarits qui sont proposés par Cricut pour définir votre propre motif. Vous avez la possibilité de choisir ce setup-là, ou bien, tout simplement, d'insérer votre design sur le gabarit déjà présent tout en blanc. Pour cette vidéo, nous allons partir sur ce projet-là pour nous aider, en fin de compte, à définir le bon gabarit et à personnaliser correctement le meuble. Vous allez devoir sélectionner votre taille et la finition, en fin de compte, du motif. Comme je vous l'ai montré, nous sommes sur un mug de 340 ml. Et donc, vous pouvez choisir un trait tout droit en finition. Vous pouvez choisir un côté un petit peu déchiré, toujours en 340 ml. Vous passez sur un effet arrondi, sur un effet vague, ou bien sur du zigzag. C'est au choix. Pour ce modèle, nous allons choisir la partie un petit peu élimée. Une fois que vous avez sélectionné la taille et la finition, vous cliquez sur Personnaliser et vous obtenez votre gabarit prêt pour être personnalisé. Vous voyez bien ici les endroits où seront placés les différents motifs que vous insérez sur les parties du mug. Cet élément-là devra être supprimé avant de passer à la découpe. Comme vous le voyez, de toute façon, vous avez votre petit triangle qui vous indique bien que ça ne rentre pas dans le gabarit de découpe de la Joy. Nous allons personnaliser ce gabarit avec un monogramme. Nous allons donc insérer du texte. Ici. Nous allons placer notre texte ici. Nous le redimensionnons. Nous avons sélectionné la police que nous voulons. Avant de lancer la création, assurez-vous de masquer cette partie gabarit et de bien attacher l'ensemble du motif pour une découpe unique. J'appuie ensuite sur Créer. Je choisis la version tapis car nous utilisons la gamme Infusible Ink. On me montre comment mon motif va être placé sur mon tapis. Je continue. Je sélectionne ma Cricut Joy. Je vais choisir la gamme Infusible Ink, les feuilles. On m'indique de charger ma lame à pointe fine et de placer mon tapis dans la machine. Je n'aurai plus qu'à appuyer sur Go pour lancer la découpe. Avant de charger la lame à pointe fine dans la mâchoire de votre Cricut Joy et de charger le tapis, lisez bien la notification pour vous assurer que le miroir est activé sur votre motif. Vous allez donc ici sur Modifier et vous activez bien la fonction miroir. Très important dans tous les motifs réalisés avec de l'Infusible Ink ou bien du flex thermocollant. Une fois la fonction miroir en marche, insérez votre lame à pointe fine, chargez le tapis et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur Aller pour lancer la découpe du motif. Nous venons de finir d'écheniller notre motif.
Comme vous pouvez le voir pour les gabarits pour le mug, la machine a découpé le plastique de protection pour que nous ayons une partie adhésive qui nous permette de coller le motif sur le mug afin que ça ne bouge pas lors du transfert. Nous allons maintenant pouvoir apposer ça sur le mug. Avant, nous vous conseillons d'utiliser un rouleau pour retirer toutes les particules sur le mug qui peuvent être de la poussière ou un petit peu de résidus, afin de vous assurer que le motif est posé correctement sur la surface du mug. Mettez le mug face à vous et venez placer votre motif en enroulant autour du mug. Assurez-vous que chaque partie du motif soit à la même distance de la anse pour un meilleur équilibre du motif. Utilisez les anses adhésives pour bien fixer votre motif. Faites une dernière vérification. Pour plus de sécurité pendant le transfert, vous pouvez utiliser le scotch adhésif résistant et placer quelques morceaux pour que le motif ne bouge absolument pas. Le motif est prêt à être transféré sur le mug, il ne nous reste plus qu'à utiliser notre mug press. Nous passons donc maintenant à l'étape où nous allons transférer le motif en infusibling sur la tasse à l'aide de la mug press. L'utilisation est très simple, il n'y a qu'un bouton. Vous allumez votre mug press, qui, le temps de la chauffe, a un bouton qui est orange. Le bouton est passé au vert, signe que la machine est prête pour transférer le motif sur le mug. J'ouvre le couvercle, l'espace s'ouvre. J'insère le mug par la anse pour ne pas toucher l'intérieur de la mug press qui est très chaud. Je place l'anse au milieu. Toute la partie plastique est en toucher froid. Je ne risque donc pas de me brûler tant que je ne mets pas la main à l'intérieur. Je rabats le couvercle pour tenir le mug. Les LED s'allument. L'évolution du transfert se fera via la couleur des LED au fur et à mesure. Je n'ai plus qu'à attendre que ça bip pour me dire que mon transfert est terminé. La machine a fini de transférer, les LED clignotent et sont toutes allumées. Je relève le couvercle, je sors le mug par la anse, le seul endroit où le mug est froid, pour ne pas me brûler. Et je vais poser le mug sur le tapis EasyPress pour lui laisser le temps de refroidir avant de révéler le motif en retirant le papier. Je pense bien à éteindre ma mug press une fois qu'elle a servi, en rabattant le couvercle et en appuyant sur le bouton Power. Le mug a maintenant refroidi. Nous allons pouvoir retirer le motif et le scotch pour révéler le résultat du transfert. Comme vous pouvez le voir, le motif a totalement été transféré sur le mug. La couleur n'est plus sur le papier, mais a été révélée dans toute sa brillance sur le mug. Aucune sensation de double texture et elle peut être utilisée juste après nettoyage pour boire votre café. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster un commentaire et à vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos. À très bientôt!